Contre ça, euh, enfin plutôt, j'ai envie de dire en face de Let's Encrypt, vous avez des organismes de certification euh, comme, euh, dont le métier est de délivrer euh, des certificats de façon à chiffrer les informations. Euh, c'est vraiment leur spécialité, c'est leur métier. Euh, eux, ils ont un intérêt commercial à vous proposer des certificats de qualité. Parmi les organismes de certification les plus connus, on va retrouver Symantec. Euh, donc Symantec, c'est euh, l'éditeur du logiciel Norton antivirus. Donc voilà, en, en termes de sécurité, ils connaissent un petit peu le sujet. Euh, vous avez Taut, euh, vous avez euh, GeoTrust, vous avez Comodo, GlobalSign, Digicert, OpenTrust, et bien d'autres. Ça, ce sont des sociétés qui sont spécialisés dans la sécurité informatique et qui vont sécuriser, émettre des certificats de façon à sécuriser du mieux que possible les, les informations qui transitent. Maintenant, en général, quand on passe par un organisme de certification, euh, les certificats ne sont pas renouvelables tous les trois mois, mais tous les un, deux ou trois ans. Donc, déjà en termes de risque de coupure de service, on se limite au pire des cas à une fois par an. En général, ça n'arrive pas, mais contrairement à du Let's Encrypt. Euh sur lequel vous n'avez d'une part aucune, aucune, aucun support qui est établi, mais en plus le risque est, est, est récurrent euh, tous les trois mois et potentiellement récurrent tous les trois mois. Là, c'est une fois par an voire tous les deux ans, voire une fois tous les trois ans en fonction de l'offre à laquelle vous souscrivez. Euh, ensuite, un organisme de certification euh, comme ceux que je, viens de, que je viens de citer vont vous proposer une assurance. À titre d'exemple, Rapid SSL, qui est une sous-marque de GeoTrust pour la petite histoire, vous, qui propose des certificats uniquement DV, euh, va vous proposer une assurance en cas de compromission de données à hauteur de 10 000 dollars. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous dédommager si vous subissez... Un, un préjudice financier suite à une faille du certificat qu'ils vous auront délivré, vous avez une assurance qui vous couvre à hauteur de 10 000 dollars. Donc, en fonction de la taille de votre business, dans la majorité des cas, c'est suffisant, euh, mais on va voir par la suite qu'il y a d'autres types de, de, de certificats qui peuvent assurer euh, au-delà des 10 000 dollars. Mais ce que je veux vous, vous, vous mettre en avant, c'est qu'un organisme de certification va vous proposer une assurance, ce que ne fera pas Let's Encrypt. Ensuite, un organisme de certification... Comme comme toute entreprise, possède un support client. C'est-à-dire si vous avez un problème avec un certificat ou autre, vous pouvez les contacter. Il y a un support, c'est une entreprise qui délivre un véritable support client. Enfin, le, le, le chiffrement qui est proposé par ce genre d'organisme est géré, généralement pardon, plus élaboré que les chiffrements qui sont proposés par Let's Encrypt, qui, je le rappelle, sont des certificats gratuits, qui sont émis gratuitement par une association. Il n'y a donc aucun enjeu financier. Derrière, ou tout du moins aucun enjeu direct euh, derrière, contrairement à un organisme de certification qui va vous vendre l'émission du certificat. Donc, c'est clair, c'est un coût, c'est une charge qu'il va falloir dépenser. Mais il y a tout un tas de services derrière qui couvrent en partie votre business. Puisque là, il s'agit, euh, attention pour, pour rappel, là, il s'agit de vous mettre en conformité non seulement avec la loi, mais aussi de vous donner une réassurance commerciale, d'avoir un avantage Google et de sécuriser les données de vos utilisateurs. Donc euh, voilà, ce n'est pas une moindre dépense.